Pour le travail, c'est là, c'est la question qui fâche le plus, c'est le travail. Parce qu'il faut dire que la situation, pour les étrangers ici, pour travailler au Maroc, il faut avoir un visa de travail. Un Sénégalais, il peut travailler au Maroc sans avoir un visa du ministère de l'Emploi. Il peut avoir un contrat de travail comme un Marocain, tranquille. Un Algérien aussi et un Tunisien aussi. Ça, c'est des pays qui ont des conventions avec le Maroc. Pour les autres nationalités, enfin pour la majorité extrême des nationalités, il faut avoir un visa du ministère de l'Emploi. Ça veut dire que, par exemple, si une personne vient d'un tel pays, qui s'installe au Maroc, il veut travailler quelque part, il doit que l'employeur qui veut le faire travailler, il doit prouver qu'il a trouvé une compétence dans cette personne qu'il ne trouve pas chez un Marocain. C'est une sorte de préférence nationale, on va dire. Dans certaines associations de défense des droits humains, on dénonce l'absence de régulation pour intégrer les subsahariens au marché du travail marocain. Tout le système aujourd'hui n'est à aucun niveau spécifique par rapport à cette population dans le marché du travail. Je m'explique un peu plus. Y a-t-il aujourd'hui une loi qui oblige l'entreprise ou là, qui permet à l'entreprise de se dire « j'ai des redevances de l'État à raison de combien de... je ne sais pas » de pouvoir embaucher une dizaine de subsahariens. Il n'y a pas. Mais ce genre de choses-là, est-ce que ça ne pourrait pas être mal pris par la population marocaine? Parce qu'il y a aussi beaucoup de Marocains qui sont dans des situations... Voilà, elle sera prise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as créé un conditionnement qui n'est pas propice ni pour le migrant, ni pour la population marocaine. Reste à dire que le Marocain, si on ne le met pas dans cette situation, ne poserait jamais le problème de la concurrence vis-à-vis du subsaharien. Ce Sénégalais a pu trouver un emploi. Si je travaille là-bas à Marrakech, je travaille là-bas dans une boîte de nuit, le M Club. Pour beaucoup, la situation est plus compliquée. Je suis obligé de manger, bon, de demander de l'argent. J'arrive dans les arrêts de feu, dans les feux. Quand la voiture s'arrête, tu passes la voiture, tu demandes. Ceux qui peuvent te donner, tu donnes. Ceux qui ne peuvent pas, ils disent qu'ils n'en ont pas. Et aussi les jours du marché, comme le jeudi et le dimanche, on peut au marché, on porte des sacs, des dames, des messieurs. Ils peuvent nous donner 10 dirhams, ça dépend de la personne, ils peuvent nous donner 20, d'autres même 30. Parce que si vous ne nous donnez pas le travail, rien. Quand on se place en route pour demander de l'argent, un dirham, qu'est-ce qu'il faut avec un dirham? Moi je veux le travail. Moi je veux travailler. Je ne suis pas venu pour faire le mendiant, pour mendier en route. Je ne peux pas dire que je suis un mendiant, mais ma vie ce n'est qu'une vie de mendiant. Parce que je ne peux pas me figuer ces titres, ce n'est pas ces titres que je veux. Tous n'ont pas recours à la mendicité. Certains arrivent à trouver des emplois dans les secteurs où la demande est faible. Ils se voient alors confier des tâches difficiles ou nécessitant peu de qualifications, particulièrement dans les centres d'appel téléphoniques et sur les chantiers. Par rapport à l'accès au travail, donc si les personnes subsahariennes sont régularisées, bien évidemment, ça se passe relativement bien. Je dis bien relativement, parce qu'en général, les personnes vont travailler dans un centre d'appel. Là, c'est plutôt un milieu où il y a beaucoup d'offres. Et il faut maîtriser le français, etc. Maintenant, en revanche, pour les personnes qui n'ont pas de papier, là, c'est plus complexe. Parce que c'est le retour à l'esclavage, en fait.
clairement. On observe qu'il y a l'émergence du mafia, l'émergence des banques qui fait le trafficking des immigrés et qui exploite les immigrés. On parle de l'exploitation sexuelle, l'exploitation, un type d'esclavage parfois. Parfois, il y a une autre migration que les gens n'en parlent pas beaucoup. C'est les Marocains qui résident au Sénégal, notamment à Dakar, et qui cherchent une femme de ménage au Sénégal. Et là, on va au Maroc. Et ces femmes-là, en général, puisque leurs passeports sont kidnappés, et parfois, voire même, ça je peux le dire, les ambassades, notamment l'ambassade du Sénégal, les ignorent parfois, ne les aident même pas. Moi, j'ai beaucoup bossé dans ce cadre-là, j'ai les accompagnés. Ils sont kidnappés, ils sont de travail forcé, ils ne sont pas bien rémunérés, alors qu'ils sont employés par des familles aisées marocaines, à Lagdal, par exemple. Voilà. Et donc, du coup, des familles aisées marocaines qui exploitent, j'appelle ça de l'esclavage, hein, oui, qui exploitent ces femmes. On vit de la détresse des personnes subsahariennes, de leur souffrance, de leur misère, du manque d'argent, pour leur proposer tout et n'importe quoi. Donc, hommes, femmes confondus. Nous avons pu rencontrer une femme ivoirienne victime d'esclavage qui a témoigné hors du champ de nos caméras. On cherche travail, on ne nous prend pas. Quand tu travailles pour eux, on te prend comme esclave, tu ne manges pas. Tu ne dors pas, tu dois dormir dans la cuisine, il fait froid. Et à la fin, on ne te paye pas. Tu parles, on dit tu as volé, on s'en va t'envoyer à la police, moi on m'a fait ça. En novembre 2017, suite à un reportage de CNN, le monde entier a découvert que le trafic d'esclaves était encore une réalité en Libye. Suite à cela, une Camerounaise arrivée en Espagne après avoir traversé le nord de l'Afrique s'est indignée dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. C'est à propos de ce qui se passe en Libye. C'est pas seulement en Libye, en Algérie, au Maroc, c'est pareil. Quand je suis arrivée en Europe, je l'ai fait comprendre aux gens. Ce que nous avons vécu sur la route, personne ne m'écoutait, personne ne me croit. Ils disent que c'est mon histoire, que j'ai regardé pour moi. Ça dérange les gens. Aujourd'hui, une journaliste est venue. Elle a publié. Elle a vu. Elle a publié. Tout le monde s'est intéressé. Nous, nous avons vécu ça. En parlant, on ne nous écoutait pas. Aujourd'hui, je crois que notre témoignage va être vraiment très important. Ça me touche aujourd'hui. Et je suis contente qu'on a pu écoutez ce qu'on avait, le message qu'on avait à lancer. Si cette situation au Maroc fait peu de bruit, c'est parce qu'elle touche à un grand tabou, le problème du racisme dans le pays.